Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer à Fimbu de la team Peya à la flûte à bec. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé le format de mes tutos parce que beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles ne comprenaient pas trop la manière de faire les tutos habituels sur YouTube. Du coup, j'ai décidé de mettre en place un format beaucoup plus pédagogique. Et vous me direz vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner si le contenu vous plaît. Sur ce, commençons. Alors, Fimbu de Team Peya. Donc ça, c'est un son, je l'ai joué, c'est plutôt facile. Mais avant de commencer déjà, on va écouter l'extrait parce que j'ai baissé un peu les tonalités pour rendre le son beaucoup plus abordable pour les débutants à la flûte. Donc on va écouter l'extrait maintenant. D'accord. Ok, donc là, comme vous pouvez le constater, c'est près de 45 secondes de l'extrait, c'est-à-dire du début jusqu'à peut-être le second refrain. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre notre flûte. Et vu que bon, j'ai déjà appris les notes, j'ai déjà montré les notes, ça c'est rapidement pour vous expliquer. Pour le premier extrait, la partie qui fait, comment dire, nous on va commencer à jouer à partir de cette partie là. Mon devoir c'est de chanter, de pas sourire, de rendre heureux. Mon devoir va tout garder. Aujourd'hui on va s'aviser. 10 ans de pouvoir. Ok. Donc cette partie là, pour pouvoir la jouer, c'est très simple. On va faire des si. On va faire, je crois, 5 ou 6 si, par exemple. C'est parce que vous voyez. Si, ré. Je sais pas si vous voyez, voilà, on va faire si, autant de si que les paroles demandent et ré à la fin. Donc ça c'est la partie là est simple. On va ensuite aller vers l'autre partie. Je sais pas si vous voyez. Donc normalement les notes doivent apparaître ici. Donc je sais pas si vous avez bien compris la partie. Si vous voyez, maintenant on va faire la deuxième partie. On a déjà fait la première partie. C'est pas si bon. Ma voix est bizarre. C'est qu'est-ce que ça fait? Donc on va repartir pour voir. Non, c'est plutôt voilà. Pas si vous voyez. Maintenant, il va donc comme on a déjà fait la première partie, c'est déjà passé. Maintenant, donc ça c'est la deuxième partie. Donc comme je vous l'ai dit, les notes vont apparaître juste à côté ici pendant que je suis en train de faire la vidéo. Parce que si vous voulez suivre mes doigts, ça sera assez compliqué. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de suivre le contenu. Donc alors on a fini déjà une bonne partie. On va voir ce que le son peut donner encore. Donc je vais recommencer le son pour voir, pour qu'on puisse suivre.
maintenant Fimbou, Chicote, Décalé, et ainsi de suite. Avant. Je sais pas si vous suivez. Donc je vais reprendre pour voir pour vous montrer Fumbu Chicote Décalé et cette petite partie là. Je vais reprendre encore pour vous montrer. Ah, si vous voyez, voilà. Donc il va rester à partir, il commence à aboyer d'une certaine manière, hi, 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 hi. Donc ça c'est très simple, c'est que des mi qu'on a en aligne. Voilà. Donc rapidement c'est comme ça qu'on joue rapidement Fimbu Chicote. Donc cette fois-ci, je vais reprendre, je vais mettre la musique derrière afin que vous puissiez comprendre. Et aussi à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais mettre l'instru afin que pour ceux qui peuvent jouer, je vais mettre l'instru avec les notes. Comme ça, vous pourrez jouer. Donc là, je vais relancer la chanson. Là, seulement, je vais relancer la chanson rapidement. C'est chaud, hein? C'est plus, c'est pas. Attends, c'est chaud. Voilà. Bon, il y a une partie, je me suis trompé, mais tiens, c'est pas grave. L'essentiel. Ok, au fibre. L'essentiel, vous avez compris. Moi, c'est comme ça, on joue Fimbu Chicote. Je pense que le tuto est bon. Comme je vous l'ai dit, à la fin de la vidéo, je vais mettre les notes avec l'instru pour que vous puissiez apprendre rapidement. Donc, ainsi se termine cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires, à lâcher un j'aime, à vous abonner et aussi à en parler autour de vous. Donc c'était tout. J'ai fait chaud vraiment. Voilà. Donc c'était tout. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Bye, je joue à la flûte.